et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va vous présenter un magnifique domaine situé à littéralement 3 minutes de Bergerac en Dordogne. Je suis avec Christophe. Bonjour. Et tu vas pouvoir un petit peu nous expliquer où on est exactement ici. Oui, bah donc on se situe, le manoir se situe à Saint-Nexant. Saint-Nexant, petit village avec quelques commodités assez sympas. Oui. Une petite épicerie. Pas mal de viticulteurs parce qu'on est dans la région où il y a de la vigne, mais surtout, comme tu l'as si bien dit, à la porte de Bergerac, donc à quelques minutes de Bergerac et surtout de son aéroport qui est très pratique. Oui, un aéroport international. Ah oui, oui, il relie toutes les destinations du monde. Hein. Ouais, honnêtement, ça. Vous pouvez aller autant aller en Angleterre qu'en Pologne depuis cet aéroport. J'ai beaucoup d'amis qui viennent chez moi depuis cet aéroport. Ouais. Donc extrêmement pratique au niveau de l'accès. Oui. Localisation parfaite. Parfaite. Bergerac, tu parlais des vins. Nous, on est monté tout à l'heure faire le tour de toute la propriété et j'ai pu apercevoir, vous allez voir ça tout à l'heure, une vue absolument fantastique sur le château de Montbazillac, extrêmement célèbre pour ses vins liquoreux. Oui. On regardera ça tout à l'heure depuis une des chambres. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'environnement? Qu'est-ce qu'il y a comme jardin? Comment se compose ce domaine? Oui. Donc, on est sur environ 1 hectare 3, soit 13 000 mètres carrés à peu près. On a la bâtisse principale, qui est ce charmant manoir, maison bourgeoise, en tout cas du XVIIIe siècle. Et puis on a une belle grange, une grande grange qu'on verra tout à l'heure, et une seconde maison. Bon, là, il y a un peu de travaux, mais enfin, elle magnifique. Est là. Et elle est typique de la région, donc c'est oui. Top. Et surtout, c'est bien séparé, les jardins sont séparés, on a des vieux arbres centenaires, voire même plus. Magnifique. Ouais. Une belle piscine. Tout est clôturé, pas de maison aux alentours, des prés, des champs. Donc, oui, c'est très calme ici. Ouais. Donc, on arrive par cette entrée qui nous fait face, oui. Ici. Très joli portail avec des piles, des colonnes, comme on appelle ça ici, ouais. Des piles. Ouais, ouais. Donc, de très beaux arbres tout autour de la propriété. Et une exposition parfaite, vous voyez, plein soleil. Alors, apparemment, le soleil va dans ce sens-là, ce qui fait que le matin, on est face au soleil de ce côté. Et puis, l'après-midi, ça tourne de l'autre côté. Mais la piscine, elle est au soleil toute la journée. Toute la journée, oui. Ouais. Donc, ça, c'est parfait. Oui, alors, comme tu le précisais, on a trois bâtiments ici. Oui. On a la maison principale, on va aller voir, c'est vraiment très très joli l'intérieur, oui. Vraiment une belle maison. Mais on a un potentiel de développement extraordinaire avec cette très belle grange. C'est ça. Au niveau de l'architecture, des pierres, comme tu disais, c'est vraiment typique de la région. Tout à fait. Ouais. La petite maison en face, je ne l'ai pas encore vue de l'intérieur, mais franchement, l'extérieur, quand je vois ça, le potentiel... Tout de suite, j'imagine, touristique. Le tourisme, c'est inutile de rappeler, mais on va le faire quand même, qu'on a plus de 3 millions de visiteurs en Dordogne chaque année. Mmh. C'est une des destinations phares du tourisme en France, avec bien sûr Bergerac qui attire. Et autour de Bergerac, il y a toutes les bastides, ici Jacques, Montpazier. Enfin, ça regorge de trésors architecturaux. Nous deux, nous habitons en Dordogne. J'ai des gîtes, tu as des gîtes. Oui. On peut vous dire que le potentiel ici, il est absolument fabuleux. Donc, dès que je vois une maison, je suis tout de suite en train de me dire, parce qu'actuellement, c'est une résidence secondaire. C'est ça. Elle est utilisée pour les vacances. Voilà, principalement. Les clients ne sont pas locaux, ils viennent... sont des Anglais, on va le dire. Ce sont des Anglais, on peut le dire, oui. Oui, et ils viennent simplement, avec l'aéroport de Bergerac, qui est à même pas 3 minutes d'ici, profiter de leur seconde résidence quand ils le souhaitent. Quand la météo le prévoit avec un grand jour de soleil, et ben, ils peuvent improviser. Oui, parce qu'on voyage. Est quand même dans le sud-ouest, hein, il faut le rappeler. Oui. Vous voyez aujourd'hui, il fait un petit peu chaud. Oui. Donc, effectivement, cette maison, ça peut être une maison de vacances, forcément. Ça peut être une résidence principale, évidemment, oui. Qui pourrait très confortablement accueillir une belle famille. Moi, je vois le potentiel touristique. On a une très belle véranda qui pourrait servir pour les petits déjeuners. C'est ça. Si c'est pas de l'autre côté, piscine, on ouais. Pourrait très bien aussi avoir une terrasse extérieure. Et forcément, moi, je convertirais ces deux bâtiments en gîte. Ouais. En gîte, puis chambre d'hôte. Franchement, on peut générer un très confortable revenu. La ouais. Bâtisse est belle. La proximité de tous les intérêts touristiques de la région, mmh. Je pense que c'est idéal et qu'on afficherait complet sur presque une moitié de l'année. Hein. Oui, ouais. Oui. Bon, Cyril, assez parlé de l'environnement. On va aller voir l'intérieur de cette belle maison. Qu'est-ce que tu en penses ? Ok, eh ben, ouais. Écoute, je Allons-y. Te suis. Allez. Alors, dès l'entrée, on voit que c'est un magnifique intérieur. Hein.
Oui, on a gardé tout le charme de l'ancien, avec ces vieux carrelages d'époque. Mais des carreaux de ciment magnifiques. Hein. Voilà, un peu dans chaque pièce du manoir, ou alors tout simplement le parquet ancien, l'escalier majestueux, enfin voilà, les hauteurs des pièces assez hautes. Donc, pierre, le calcaire régional, voilà. Effectivement. Donc on a vraiment tout le charme de l'ancien. En très bon état. En très bon état. Tout à fait. Ouais. Alors, la circulation, moi, j'aime bien, parce qu'en fait, bon, on arrive par cette entrée, une très, très belle porte, d'ailleurs, avec des vitraux. Derrière toi, on voit tout de suite cette cuisine toute neuve, finalement. Ouais, complètement neuve. Elle a été rénovée par les propriétaires dans les deux années qui viennent de passer, donc elle est neuve. Elle est extrêmement bien équipée, effectivement, de très bonne qualité. Je pense qu'elle fait honneur au bâtiment. Oui. Alors, ce qui est pratique, c'est que, justement, là, on a quand même tout le confort qu'on peut espérer d'une maison moderne, mais dans de l'ancien qui a gardé le charme. C'est ça. Donc, et au niveau de la circulation, donc derrière moi, par contre, on a actuellement ce qui sert de bureau, mais ça pourrait être autre chose. Une chambre. Peu importe. On a un grand couloir, un transversal qui va vraiment desservir tous les étages. Toutes les pièces. Donc, en fait, on circule comme ça et comme ça. C'est ça. Avec deux couloirs, et à chaque fois, c'est très bien distribué. Oui. La circulation est facile, on peut accéder à toutes les pièces de n'importe où. C'est ça, on peut passer d'une pièce à l'autre ou on peut utiliser ce couloir. Pour plus de côté privé, ça dépend, mais c'est vraiment bien organisé. Je trouve que la circulation est vraiment idéale. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on trouve comme pièce? La cuisine, on a vu. La cuisine, le grand bureau qui est derrière toi. Et puis on a trois salons ou salle à manger, ça dépend de ce qu'on en a comme utilité. Aujourd'hui, c'est un salon avec une belle cheminée ancienne qui fonctionne. De l'autre côté, on a la salle à manger aussi avec sa cheminée. Et au milieu, on a une autre pièce qui peut être une pièce de lecture, un salon pour prendre le thé. Avec des très beaux placards. Hein, avec des très très beaux placards. Placards anciens. Et cette vue magnifique sur tout l'arrière du jardin et la piscine. Qu'est-ce qu'on va trouver maintenant à l'étage? À l'étage, au premier étage, parce qu'il y a deux étages, au premier étage, on retrouve un peu la même configuration qu'ici, c'est-à-dire cette facilité de circuler d'une pièce à une autre. Oui. On a une grande suite avec sa salle de bain, salle de douche, lavabo, double vasque, tout ce qu'on a besoin. On a une autre pièce où il y a déjà un point d'eau, donc on pourrait facilement y mettre une douche si on le souhaite. Et puis on a deux autres chambres, pièces, qui ont une qui a sa salle de bain privative aussi, et l'autre qui reste un petit peu aménagée. Et puis entre les deux, on a un peu la même configuration qu'ici, cette grande pièce qui peut être une chambre, qui peut être autre chose, une salle de sport, une salle de jeu, peu importe, qui se trouve entre les deux chambres de l'arrière. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, avant que tu termines de nous expliquer ce qu'on trouve au dernier niveau, cette maison principale, elle fait combien de mètres carrés à peu près? On est sur plus ou moins 450 mètres carrés pour la maison. Voilà, c'est énorme. On est vraiment sur un volume. Et il y a combien de chambres au total? Grosso modo, on va dire qu'on peut aller jusque 7. Aujourd'hui, on va dire 4 vraiment aménagés tip-top, et puis 3 autres qu'on peut encore aménager facilement. Oui, franchement, il faut être honnête, il y a une partie travaux à prévoir. Ouais. Bon, c'est plutôt de la déco, et puis créer peut-être des salles de bain supplémentaires, en particulier sur un projet de chambre d'hôte. Voilà. C'est ce que j'envisagerais, mais il n'y a rien d'insurmontable. Toute la base est extrêmement saine, c'est propre, tous les éléments sont vraiment sains. On a dans le grenier d'ailleurs une partie de la toiture que j'ai pu observer avec toi tout à l'heure, c'est nickel, c'est doublé. Il ne peut pas y avoir d'infiltration d'eau même sous les tuiles puisque ça a été complètement latté, jointé, c'est extrêmement bien fait. Ouais. La charpente est très belle et il y aurait moyen de faire quelque chose encore là-haut. Tout à fait, il y a déjà les ouvertures, il y a une hauteur sous plafond qui est largement suffisante, on est à plus de 2 mètres, voire 2,20 mètres. Ah, largement. Donc on peut aménager plus le grenier si on le souhaite. Tout dépend du projet que vont avoir les nouveaux propriétaires. Il y a la moitié de ce grenier qui est déjà aménagé, tout à fait. Donc, c'est trois pièces, quoi, deux pièces, je me rappelle Il y a deux pièces qui ont déjà leur salle d'eau, donc des salles de douche. Donc, en fait, les connexions... Et toilettes. Les toilettes. Donc, toutes les connexions sont déjà là. Il suffit de les tirer à côté, on va dire, pour avoir ces deux chambres. Moi, je ferais une suite là-bas ou un appartement. Ce serait possible de faire un appartement, puisque comme on a un volume qui est à moitié, où il n'y a rien, c'est très facile, c'est plus facile encore à aménager.
Ah oui, sympa ici. Bon alors tu vois Cyril, la façade de cette maison est complètement différente de l'autre côté. Ah oui, oui, oui. Et on est sur la magnifique pierre typique de la région. Oui, on retrouve ça également en Gironde. Ouais. Ça ressemble aussi aux maisons que tu aurais à Bordeaux. C'est ça, c'est hein? ça. Donc vraiment beaucoup de cachets, beaucoup de lumière. Les hauteurs des fenêtres sont importantes. Petit détail, on a des volets électriques sur chaque fenêtre. Donc ça, c'est quand même top aussi. Et puis, système d'alarme aussi, puisque les propriétaires ne sont pas tout le temps sur place. Oui, j'ai vu des caméras, donc c'est très bien sécurisé. Pour la sécurité, c'est pas mal. Une belle bâtisse aussi grande que celle-ci, oui, effectivement, c'est bien d'avoir ça. Ouais. Ouais. Petit coin ombragé, donc c'est vrai qu'avec cette exposition double, on peut toujours avoir un coin à l'ombre, parce que le soleil, il tape. Il tape, comme aujourd'hui. Il va arriver, donc quand il sera là, il y aura la petite ombrière pour protéger du soleil. Mais là, pour l'instant, on est bien, on est à l'ombre, au frais. Et puis, à quelques pas de la piscine. Ah, la piscine. Et du jardin. Le jardin est super arboré. Très beaux arbres. Des vieux arbres. Oui, puis il y a des petits coins à l'ombre, je vois là-bas. Il y a un petit cabanon là-bas. Oui, de fleurs différentes, de rosiers. Il n'y a pas un système d'arrosage automatique, merci. Mais il y a les tuyaux qui sont là en place. Ah, donc, c'est déjà pré-tiré. Il faut pas tirer à chaque fois. Il faudra mettre une pompe et un système de minuteur. Voilà, ça se fait assez facilement si on a envie de le faire. Mais disons qu'il y a déjà les tuyaux qui sont là. Donc c'est le plus embêtant parce que finalement, si tu veux mettre de l'arrosage automatique, c'est creuser. Donc si c'est déjà là, il n'y a plus qu'à mettre une pompe avec un minuteur. C'est ça. Un goutte à goutte. Donc très très pratique. On va voir la piscine ? On va voir la piscine. Allez, je te précède. C'est parti. Ah oui, effectivement, une piscine avec une vue pareille, j'adore. C'est pas mal, hein. Pas mal. On a envie de se baigner dans la piscine, ou prendre l'apéro, ou profiter de l'endroit en tout cas. En plus, là, c'est quasiment plat, et je vois que derrière toi, on a un magnifique pool house bien couvert. Oui, avec un petit coin cuisine aménagé, une petite douche, et puis l'espace fermé pour tout ce qui est pompe, filtre et tout ça. Oui, mettre le robot. Voilà. Non, c'est vraiment idéal. Et puis, quelle vue sur l'arrière de ce bâtiment qui est vraiment somptueux. Donc là, on voit mieux la configuration, la piscine, terrain plat, le pool house, c'est vraiment magnifique. Une partie arborée ici, une partie arborée derrière. Et là, les deux bâtiments qu'on va aller voir en dernier, je pense, qui offrent un gros potentiel de développement. Ah oui, j'avais pas vraiment vu la taille de ces bâtiments, mais en fait, c'est très très grand. Il y a combien de mètres carrés là? Ah ben là, on est sur 200 mètres carrés sur la maison. Elle est superbe en plus avec ces petites fermes. Ah oui, et si tu remarques, c'est une pierre complètement différente de la maison principale. Oui, oui. Donc on est sur deux types de bâtiments différents. Exact. Et la grange derrière toi. Et la grange. Quelle taille cette grange? Ah ben là, on est sur 350 mètres carrés, facile. Oh là là, mais alors, donc c'était en train de me dire que là, on a presque 550 mètres carrés. La maison fait 450. Ouais. On est quasiment à 1000 mètres carrés. Presque. Ah oui, d'accord. Donc c'est gigantesque. Ouais. Là, pour moi, le charme de cette pierre, le charme des façades des deux bâtiments. Ici, je vois bien une petite cour centrale aménagée, tu vois, avec des tables. Et là, derrière nous, comme il y a énormément de place, une piscine qui serait commune donc aux deux, on peut très bien rentrer par là. Il y a un troisième bâtiment en plus. Oui, il y a un petit troisième bâtiment. Petit. Ça pourrait être local technique, rangement, local technique de la piscine et une piscine par là, avec une cour et de quoi garer les voitures. Donc franchement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de place. Non, c'est un domaine qui est étonnant, parce que quand tu arrives par l'entrée principale, tu ne vois pas, c'est complètement séparé par les escaliers et la haie d'arbres. Ouais. Donc on a vraiment deux univers distincts. Complètement. Là, on devine à peine la maison principale, alors qu'on est juste à côté. Ah oui, je vois la cheminée, c'est tout. Voilà. Et puis on a ces deux entrées séparées, donc ça, c'est bien aussi. Hein. Ouais, franchement, superbe. En fait, c'est deux biens différents, en fait, quelque part. Bon. On a fait le tour de cette propriété magnifique, les dépendances, le bâtiment principal, le jardin, la piscine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour te contacter et visiter ce bien ? Eh ben, écoute Cyril, c'est super simple. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou dans les commentaires de cette vidéo et je me ferai un plaisir de faire visiter ce bel endroit. Et de répondre à vos questions. De répondre à toutes N'hésitez questions. Pas d'ailleurs à poser des questions dans les commentaires, c'est fait pour ça. Ouais. Et puis, quant à nous, on va vous dire au revoir pour aujourd'hui. Je pense qu'il est l'heure d'aller déjeuner sur une des très belles terrasses de restaurants qu'on a dans le secteur. Ouais. Et on vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle visite d'un bien fantastique sur notre chaîne YouTube. Au revoir. À bientôt, au revoir.